Salut José. Salut José. Comment ça va? Déjà, ça va très bien. Vous êtes déjà en train de faire des bêtises. Il est tôt ce matin déjà. Non, on fait pas de bêtises. On est en train de faire le test pour savoir qui c'est qui paye son café. Ouais, surtout pour savoir qui c'est qui va utiliser le dernier morceau de papier pour les toilettes. Parce que du coup, on a... Il n'y a plus de papier toilette. Pourquoi tu portes un pull? Laisse-moi tranquille. On vous connaît depuis maintenant quelques mois. Vous êtes presque des stars maintenant déjà sur Internet, avec des défis incroyables, puisque vous mettez quand même un petit peu en danger, vous risquez un petit peu votre peau. On n'hésite pas à risquer notre vie, en effet, mais surtout lui. Hein, moi, je suis un peu plus comme ça, généralement, parce que lui, il aime bien sauter à l'élastique, il aime bien faire des trucs. Pourquoi il parle de ses pas sorciers, là? Ta gueule. Réponds, monsieur, dis-lui. Oui, on aime bien. En fait, on s'était dit qu'on voulait faire une chaîne YouTube, surtout sur le fait qu'on va découvrir des événements à l'extérieur et pas rester chez nous. Ce qui est très bien aussi, parce que du coup, ça nous éviterait plein de galères. Mais vu qu'on vient d'un monde dans lequel on aime bien se balader, avec des petits poneys... Bon. Ça a commencé comment, je lui ai dit? Vous êtes rencontrés comment? Vous êtes potes? Vous êtes... En fait, ouais, on est potes depuis super longtemps. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. En fait, on a fait de la musique ensemble pendant très longtemps dans un groupe qui s'appelait EDEC. Et on se filmait un peu en tournée dans les bus, on faisait des conneries, on montrait nos culs et tout. Et ensuite, on montrait notre cul aux fenêtres. Tu sais, quand on doublait des gens avec le camion, on mettait notre cul ou nos testicules à la fenêtre. Ça nous faisait beaucoup rire. Du coup, on se filmait en train de faire ça. Et quand on rentrait, on montrait ça aux potes qui étaient bien morts de rire. Et ils nous disaient, vous devriez faire des vidéos. Et à l'époque, on aurait fait ça. Et ben, Norman, et ben, on aurait été là parce qu'on l'aurait fait avant lui. Au final, mais on voulait pas le gêner. Pas faire de concurrence, en c'est fait, ça. Que ça c'est... Et du coup, on l'a laissé un peu. Bon, on lui a dit, vas-y, gamin, fonce. Et puis, on laisse ta chance. Sur un petit bout de papier, le projet, on l'a mis dans une boîte, on l'a enterré au fond du jardin. Et on l'est ressorti à un moment où, en fait, on a arrêté notre projet musical. Et on s'est demandé ce qu'on allait refaire ensemble, parce qu'on aime bien rester tous les jours ensemble. Et, vous séparez jamais, en fait? Rarement. C'est vrai que là, ces derniers temps, ça fait un an qu'on passe un peu notre vie ensemble. Oui, d'ailleurs, faut que tu rachètes du café pour chez toi. Je sais, mais ça, faut voir avec ma meuf. Ouais, c'est vrai. Quoi? Mais ça veut rien dire! Ouais, je sais. Jules et Dim, c'est à la fois un projet un peu dingo, on pourrait trouver des origines à la Jackass, à la Michael Youn à une certaine époque. Ouais, complètement. En plus, vous avez, au-delà de l'image, vous avez réussi à intégrer une dimension musicale. Le projet de départ, c'était vraiment ça, d'avoir des vidéos humoristiques clippées? On vient d'une culture hyper 90 où en fait on est hyper influencé par ce que. Tout ce que tu disais comme... Très rock, ouais. Ouais, Jackass, Michael Youn, Les Inconnus, Les Nuls, enfin tout ce qui a pu bercer notre jeunesse jusqu'à la fin de notre adolescence. Et du coup, c'est vrai que pour nous, ça paraît logique et honnête et sincère, parce qu'au final, c'est ce qu'on est. Et pour plein de personnes, au final, on se rend compte que on donne encore une fenêtre sur cette culture-là qui aujourd'hui n'est plus trop mise en avant, quoi. Et le fait, comme tu disais, qu'on alimentait nos vidéos avec nos propres musiques, je pense qu'on a acquis en 20 ans de musique et tout ça un sens du rythme qui nous a permis rapidement quand même de pouvoir monter nos vidéos en rythme. Et en effet, ouais, que ça puisse ressembler un peu à des clips, c'était un peu le but. Ouais. La semaine dernière, vous avez sorti votre premier clip musical, mais là vraiment avec une chanson, texte écrit par vous, musique composée par... On a collaboré, ouais. Moi j'avais écrit une musique donc un peu hip-hop parce que j'avais envie de... Je me suis dit que sur le hip-hop, c'était plus simple de faire passer des messages. Parce qu'on pouvait dire, on pouvait raconter plus de choses que sur une chanson rock un peu traditionnelle où on aurait dit une phrase ou deux dans un seul couplet. Non, c'est cool, ça devient vraiment un travail familial, collégial, qu'on avait un peu perdu les dernières années où on faisait de la musique, où on se retrouvait avec des maisons de disques qui verrouillaient un peu tout dans tous les sens. Et là, on retrouve un peu notre indépendance et voilà, on fait un clip en indé avec Jérémy Barlozzo qui a réalisé le clip, qui est pareil, un ancien mec avec qui je faisais de la musique. Qui est un ami, et donc voilà, on essaye vraiment de continuer à s'éclater dans les meilleures conditions possibles, et c'est top, nous, ça nous fait super triper, quoi. C'était quoi l'objectif, outre, on va passer le côté se marrer et passer un bon moment avec ce titre, faire des pompes? Vous voulez faire passer un message philosophique, faut arrêter de boire des bières? Non, au contraire, c'est que nous, en fait, depuis 6 mois, on se prépare, c'est pour ça qu'on est gros, hein, c'est parce que normalement, on est genre, mais baraque de ouf, c'est et vrai. Là, on s'est laissé aller pour justement se mélanger un peu au quotidien des gens qui ne font pas de sport, pour pouvoir vraiment être imprégné de ces paroles. C'est ça le message, en fait, soyez ce que vous êtes. En fait, on fait pas beaucoup de sport et on aime bien boire des coups de temps en temps. Tous les jours. Et il n'y a aucun message philosophique. Hein. Je sais que Jérém, le réal, il a voulu faire passer un mot, mais
il n'a pas du tout été compris, ni par nous, ni par qui que ce soit d'ailleurs. Et non, c'est vraiment juste du délire. Et puis, De la bonne déconne, de la French rigolade. Ouais. Les projets, c'est quoi, Julien Dim, pour... pour fin 2015. Ouais, déjà pour fin 2015 et puis, ouais, puis la suite. On s'arrête de toute façon. Donc. On avait dit on fait un an et puis après... Ouais, stop, après on passe en 3D. Non, on va faire quoi? Bon, c'est pareil, on a plein d'épisodes dans les tuyaux, des trucs qu'on a tournés, qu'on n'a pas encore montés parce que là on prépare encore un nouveau clip sur Noël. C'est pareil, ça faisait hyper longtemps qu'on s'était dit faudrait vraiment qu'on fasse un truc sur Noël parce qu'il y a des trucs à dire, il y a des trucs où on peut se marrer, donc on a fait... Voilà, on prépare un truc avec une déviance un peu tendue, un peu extrême sur le Père Noël et les conditions de Noël et tout ça. Donc ouais. Ça, c'est vraiment notre gros projet de fin d'année. Et puis après, on va sortir aussi des bêtisiers et tout, toutes les conneries qu'on a fait et les moments qu'on n'a pas gardé où ça se barre un peu en vrille. Quoi, puis 2016, ça va être long. Donc du coup, il y a plein de projets. La source est loin d'être tarie. Donc on a vraiment... Tu te calmes. Faire des bombes ! Faire des bombes ! Ça serait quoi le défi le plus extrême que vous aimeriez réaliser en 2016? Je pense qu'on n'aurait pas les mêmes. Je pense que pour lui, ça serait faire un long métrage. Ouais, oui. On peut faire ça? Je dis pour lui, il dit pour moi. Vas-y, fais ça, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben quoi, je chante. Mais qu'est-ce que tu fais? Du coup, le truc, ce serait de... Je pense qu'il rêverait de faire un long métrage. Réussi, j'entends. Ça va pas être facile. Mais ouais, c'est vrai que ça serait cool. L'autre fois, je réfléchissais à ça, je me disais, vu qu'à chaque fois, on a une sorte de quête dans tous nos épisodes, commencer une quête ici à Paris, puis la terminer à Los Angeles, on aimerait bien aller à Los Angeles. Et donc, on va y aller. Ouais, mais toi, c'est un peu compliqué, parce que toi, tous les trucs les plus cons, en fait, lui, il veut les faire. Je te dis, sauter l'élastique, il était là. Quand on était sur le pont, il était même pas attaché avec l'élastique, il était déjà prêt à sauter. Enfin, il a des problèmes. Donc. Ça, oui, c'est un problème, ça, effectivement. Oui. Je confirme que c'est un vrai problème. Non, c'est ça, et c'est un peu... Ouais, t'es vraiment très con, toi, sur ce genre de truc. Je sais pas, après, c'est quoi ton gros délire? Bah, sauter en parachute, l'autre fois, il voulait vraiment sauter en parachute. Ouais, mais bon... Ouais. Avec ou sans parachute? En fait, franchement, sur un épisode où je sautais sans parachute et le mec me rattraperait pour me le donner... Ouais, un côté très James Bond. Ouais. Il y a un mec, un cascadeur qui l'a fait, c'est Jean-Louis Hérola, qui l'avait fait dans les années 90. Il est tout après. Et ouais, mais toi, ça te plairait ça. T'es con. Ouais, mais c'est pas un gros défi. Un gros défi, c'est faire un long métrage. Moi, ce que j'aimerais, c'est réussir à ce qu'on fasse une vraie saison, tous les deux, avec notre duo, et partir faire le tour du monde, en fait. Clairement. Aller rencontrer plein de choses, se mettre en danger. Aller dans une tribu. Se faire tatouer par des tribus et tout. Ouais, ça c'est putain. Justement, par le tatouage, là vous êtes habillés, on est des gens corrects. Vous avez beaucoup de tatouages, vous aimez les tatouages. Ah ouais, je regarde. Alors voilà, donc il y avait notamment le dauphin dans Faire des pompes. Ouais. Mais qui était un faux. Hein. Ouais, attends, réellement tatoué sans encre, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ouais, il y avait Tintin sur le tournage, il lui avait dit bah non, on va faire les trucs vraiment. Et alors il avait vraiment branché la machine, il y avait vraiment, l'aiguille. Et genre, Tintin, il le tatouait comme ça, et genre pendant 4 jours, et ben, il avait toute une marque en forme de bite. Voilà. Sans le ventre. C'était assez drôle. Julien Dim. Ouais. Vous me faites des pompes. Ok. Je vais te faire deux pompes. Je vais te faire un truc incroyable, tu vas pouvoir faire une prise de vue folle. Faire des pompes. Faire des pompes. Faire des pompes. Faire des pompes. Ouais, faire des pompes. Ah ouais, carrément. Faire des pompes. Faire des pompes. Rap au-dessus, ça. Faire des pompes. Faire des... Rap, merde. On peut pas bosser avec toi, c'est chiant, c'est relou. Je lui ai dit merci beaucoup. Merci, José. C'était un plaisir de vous rencontrer, c'était une première. Et puis je sais que ce sera pas la dernière. On va se retrouver prochainement sur plein de choses, plein d'histoires, etc. Avec grand plaisir. Plein de bonnes choses à vous deux. À toi aussi, salut. Merci. On va remettre la table quand même parce que... Je vais en face des questions. Clap de fin. Thank you.
What's your name? My name is Sophie. Sophie. And you? Effie. Effie? Yes. Okay. You're in Paris, you're in holidays? Yeah, we're actually here just for one day to give out these flowers actually to all the people here in Paris. It's very nice, very cool. Well, it's just as a gift for the people here in Paris after all the bad things that happened here. We just wanted to show that there is still a lot of love here in this world and just to give back a little bit of kindness actually. Salut, comment vas-tu? Bienvenue. Oh, oh. Hey, quelle dédicace, attention. Je vais t'expliquer. Je veux bien. Paul, on se connaît depuis quelques années maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. Je devais pas voir Paul Blanc. Paul Pinotes, pour ceux qui te connaissent pas, tu es producteur électro. Voilà, une musique nouvelle avec des ordinateurs. Ouais, c'est ça, je réduirais pas mal ça en fait, ou j'ouvrirais ça en fait à l'électronique en fait, tout simplement. Tu as commencé dans les années 90. Ouais, c'est ça, toute fin 90, au milieu des années 90, j'ai commencé à faire un petit peu des fêtes, à découvrir les fêtes techno. Ouais. Après, du coup, j'ai voulu pratiquer le DJing, ouais. Faire découvrir, écouter de la musique. Ça je l'ai fait quelques années. Je l'ai fait principalement au départ, je l'ai fait dans ce qu'on appelait les free parties. Ouais. Donc les fêtes gratuites en plein air ou dans des hangars l'hiver. Mais voilà, des lieux, comment dire... Un petit peu alternatif. Exactement. On peut parler de ça. On peut parler de ça. C'est ça. Les années 90, on va pas faire les nostalgiques, on va pas faire les non. Lieux, Non. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ces années 90, de l'effervescence? Il y avait la French Touch, il y avait Garnier, Lorex, puis également toutes les... Lorex, tu fais bien de le nommer, ouais. C'est un peu pour moi, ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs justement, je crois que c'est cette année encore, Lorex a été élu encore un des meilleurs clubs d'Europe. Ouais. Donc comme quoi les mecs, 25 piges après, ils sont toujours là. J'y ai traîné... mon lycée quoi en fait, hein. Tout mon lycée je l'ai fait au Rex Club. Hein. T'as passé ton bac là-bas en fait. J'ai passé mon bac au Rex Club quoi. Un Rex Club existe, ouais. Comment tu trouves l'évolution justement des free parties, du monde de l'électro? Est-ce que ça s'est industrialisé? Est-ce que ça s'est professionnalisé? Est-ce que c'est devenu plus banal? Professionnalisé, c'est pas mal le mot quand même malgré tout. Parce qu'en 10 ans... Je sais pas si tu parles d'une période entre 95 et 2005 ou début des années 2000. Ouais, ouais. En 6-7 ans, rien que la qualité sonore s'est professionnalisée quoi en fait. Ouais. Parce que du coup, au départ, c'était un peu on fabrique nos propres enceintes, on va dans les champs et puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quoi. Et après, il y a eu pas une course, mais malgré tout, petit à petit, l'envie de faire plus en plus gros, de plus en plus costaud, avec plus en plus de monde. Mmh. Je pense que ça, tout milieu a connu ça à peu près. Tout milieu musical, que ce soit le rock, tout ça, c'est pareil. Il y a un moment, t'as envie de toucher du monde malgré tout. Donc quand t'organises des fêtes et que tu joues de la musique, c'est malgré tout pour être entendu. Donc après, ça grossit. Puis après, tu trouves ta place ou non dans ce que ça devient en fait. On va parler de ton actualité, Paul Pinotes, mais tu... Ouais. Le plus un d'un groupe très célèbre de l'électro qui s'appelle Banditos. Banditos, ouais, tout à fait, avec Seb, mon compère. Exactement. Ouais. Banditos, ça fait combien de temps déjà? On a démarré, on a posé notre premier live en 99. Banditos, il y a toujours quelque chose qui me frappe, c'est que c'est une légende, c'est une, j'allais dire, une marque de fabrique et qui fait déplacer des foules inconstables. Comment tu expliques ce succès? Il y a plusieurs choses. Déjà à l'époque, on n'était pas nombreux, comparé à aujourd'hui où il y a 50 000 artistes qui sont chez eux à pouvoir le faire, tout le monde peut faire avec un ordinateur, ce qu'on faisait à l'époque avec les machines ou des choses comme ça quoi. Mm-hmm. Donc déjà à l'époque, sur scène, on n'était pas très nombreux, donc du coup c'est un peu plus facile quand même pour faire connaître. Mm-hmm. Après nous, on a eu plusieurs pratiques, on a toujours donné notre musique gratuitement.
Donc au tout début, quoi, parce qu'on estimait que l'intérêt c'était d'être écouté, pour que les gens aient envie de venir te voir, aient envie de t'écouter et envie de te faire jouer. Bien sûr. Donc du coup, on était parti sur une base où en fait, bah, c'était un peu les débuts d'Internet et du don de la musique, quoi, en fait, finalement. Donc du coup, on te donnait tout. Et bah, je pense que ça a joué beaucoup quand même, malgré tout, à nous faire connaître. Et après, on avait peut-être un petit style un peu particulier. Je pense qu'en... ouais, une patte et un manque de sérieux, je pense, aussi. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de samples, beaucoup de choses comme ça qui venaient de la quatrième dimension, de choses comme ça. On aimait bien rire de notre musique. Et même si on évoluait dans un milieu où la musique était assez dure, je dirais, bah voilà, ça rigolait pas mal. Il y avait une ambiance un peu... Enfin, on n'aimait pas trop le côté très sombre de tout ça. Et donc du coup, bah, on avait une musique plutôt joyeuse, entre guillemets, quand même, là-dedans. Je crois que t'offres un petit peu d'amour à nos téléspectateurs de Côte d'Or. Ouais. Faire chauffer un petit peu ton accordéon électronique pour nous faire découvrir un petit peu derrière ces machines. Eh bah écoute, ouais. Et donc du coup, bah, on peut commencer à s'amuser un peu. Tiens, je vais virer tout ça. On va éteindre tout ça. Tiens, hop, on va faire un petit stop de tout. Puis on va commencer par des petits trucs. On peut écouter des petites choses. Alors attends, on va mettre un peu de son quand même. Un petit peu quand même. On peut passer sur des petites choses comme ça, qui sont assez rigolotes. Chez moi, comme tu vois, on reste quand même assez binaire. Ah oui, c'est... Voilà, en même temps, là, j'ai ouvert ce projet-là. Tu vois, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont faites à l'intérieur, quoi. Mais après, on peut rajouter des choses en temps réel. On peut commencer à s'amuser. On peut chercher des sons. Donc, du coup, tu peux commencer à passer quelques petits sons. Mais là, c'est ce qu'on appelle, tu vois, un peu le step séquenceur. Tu poses des événements, tu places des choses, tu t'amuses avec. Et tu produis combien de morceaux alors? Ah, c'est là, c'est la question. C'est tellement aléatoire. En fait, je pense qu'il est possible parfois d'arriver à composer, on va dire, la trame ou l'esprit d'un morceau. Tu peux parfois en faire deux ou trois par jour. Si vraiment, je sais pas pourquoi, ce jour-là, tout se passe bien ou t'es très inspiré. Et parfois, ça m'arrive, bah, du coup, de travailler ces morceaux après sur la longueur pour essayer de les exploiter, de les retransformer. Mais ça peut m'arriver pendant presque un mois de pas arriver à sortir quelque chose qui me plaît. Donc, c'est vraiment très aléatoire par rapport à... Je dirais que c'est lié aussi à la vie quotidienne, à toutes les choses qui se passent dans ta vie. Donc... Ça compte beaucoup, justement, le fait de... Ouais, je pense. Surtout... Bah c'est pareil que tu vois, comme on entend là quand même malgré tout, ça reste assez joyeux, c'est pas très glauque comme univers. Et bah voilà, malgré tout, quand t'habites dans une ville comme Paris, c'est pas tous les jours que tu vois quelque chose de rose, de sympathique. On t'offre pas tous les jours des fleurs quand t'ouvres la porte. Donc du coup, bah tu vis pas toujours, voilà. Puis après il y a le quotidien, il y a tout, il y a l'amour, il y a tout ça. Donc c'est plutôt ouais par période quoi, en fait, généralement que ça se danse et que ça se crée chez moi, quoi, en tout cas. D'accord. Et j'ai du mal en tout cas à me dire je me mets à machine aujourd'hui, je vais faire un morceau, quoi. C'est pas le boulot, quoi. C'est pas le boulot, ouais. Le matin, j'aime bien écouter pas mal de choses, souvent pas ma musique, mais du coup ça m'emmène sur des trucs et parfois ça me ramène à ma musique. Donc du coup j'ai envie de la faire écouter un petit peu quand même malgré tout. D'accord. Bah, j'aurais justement une dernière question par rapport à la ouais. qui n'est pas la tienne. Ouais. Si on me proposait d'aller jouer dans l'un des endroits les plus dingues du monde, mais tu serais obligé de mixer avec soit David Guetta ou Bob Sinclair, tu choisirais qui? Soit David Guetta, soit Bob Sinclair. Ouais, je sais pas, quand tu regardes sur les photos, David Guetta... Il a des cheveux. Ouais, il a des cheveux, il est blond. Il a l'air sympa, ma foi, il sourit, il a l'air un peu sympa quand même, ce type. Après, moi, je t'avoue que j'irais presque finalement plus vers David Guetta, parce que ce mec a une histoire malgré tout. C'est quand même le mec qui jouait justement dans les années 90, il était DJ aux platines du bain douche. C'est un malgré tout un des DJ pionniers de la techno à Paris.
Il a créé des énormes espaces de soirées, de fêtes que je trouve assez géniaux pour l'époque. Après, effectivement, c'est pas un artiste que je vais écouter le matin en me réveillant. Alors Bob Sinclair, j'aurais un peu plus de mal, je pense, avec le type. Il y a un peu moins d'histoire, hein, quand même, malgré tout. Un peu moins. Il fait partie peut-être de la toute fin de la French Touch. Il connaît un peu les mecs de cette époque-là. Il les a croisés, il a dû les voir. Après, voilà, lui, il pose plus avec des paires de fesses, des strings à côté de sa tête. C'est un truc, hein, c'est pareil, hein, c'est un business. Le mec fait son business très bien et ça a l'air de marcher pour lui. Hein. Donc on va demander à David, hein, d'en faire un appel à David Guetta. Ouais, c'est ça. Paul Pinot, c'est OK pour... Ouais, moi, je suis pas contre. L'endroit le plus dingue du monde pour venir jouer, mixer en scène, on fait quoi, 20 minutes? Ouais. 20 minutes, ça sera bien déjà. Ouais, ça sera déjà correct. On va passer à ce 20 minutes. Ça paraît correct. Et puis, bah, moi, Paul, bah, je te remercie. Eh bah, écoute. Avec ces machines. Merci à toi d'être venu ici dans mon antre. Voilà, dans ton antre. Et puis, bah, je sais qu'on va se revoir d'ici peu, très peu. Oh ouais. Voilà pour d'autres aventures. Merci. Avec grand plaisir. Mets de l'eau pour ta rose, pour bien garder ta rose. Il faut rester un petit peu binaire dans tout ça. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec des arbres et un pommier en sapin. Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin, mise à jour près du jardin, passa un oncle au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. Tiffany, Johan, bonjour, bonsoir, merci de m'accueillir dans votre studio, home studio, home appartement, en plein cœur du 10e parisien, je ne donnerai pas l'adresse. Sympa. Je suis sympa, hein. Ouais. Bienvenue en tout cas. Hein. Merci. Ouais. Merci. Vous deux, plus trois autres musiciens, vous composez le groupe Oniri, ouais, qui vient de sortir son premier EP, hippie, comme on dit en version américaine, puisque vous chantez exclusivement en anglais d'ailleurs. Tout à fait. En tout cas pour l'instant. Un univers, parlez-moi de cet EP qui vient de sortir, raconter, donner envie aux gens de l'écouter, de l'acheter. C'est un EP qui nous ressemble beaucoup, qui est, j'espère, assez personnel et un peu différent de ce qu'on entend d'habitude. Ouais. Du moins dans l'écriture, on y a mis des choses à nous, qui nous appartiennent ou qui sont environnantes à notre univers, on va dire. Et par contre, dans la musique, on est un peu à la croisée entre une dream pop et de la folk. Ça, Johan, c'est très intéressant. Ce terme de dream pop, oui, comment on le qualifie, comment on le traduit? C'est dream, le mot dream finalement, qui est un mot anglais, parlons un petit peu comme ça, qui est le rêve. Donc il y a ce côté un peu vaporeux, un peu planant, un peu planant. Diaphane, un peu éthéré, très mélodique, sans être, comment dire, pas populaire, mais sans avoir des mélodies évidentes, en mode très catchy, très pop, etc. Mais il y a quand même des mélodies qui se suivent facilement, qui sont préhensibles, on va dire, assez rapidement. En même temps, le mot pop est présent aussi. On a parlé du rêve, etc., dans ce côté un peu vaporeux, mais il y a aussi de la pop. Et je pense quand même que dans notre musique, pas dans tous les titres, mais certains, ont ce truc un petit peu comme ça, catchy. Ouais, catchy. En combien de temps vous avez composé cette EP, ces 5 titres? Alors, composer assez rapidement, parce que finalement, la composition de départ a été là très vite. C'est juste que c'est notre premier EP, on l'a dit. Ce qui a été très long, ça a été d'arranger les morceaux pour que l'univers nous plaise, ouais. Parce qu'on a fait ça seul, ouais, on va le dire. Ouais. Et du coup, c'est ça qui a pris du temps.
pour ce premier EP. Je pense qu'on a beaucoup appris aussi de cette expérience et qu'à l'avenir, je pense que ça prendra un peu moins de temps. Bah maintenant, on prend plus plaisir à s'entourer de gens qui savent déjà bien faire et qui font pour nous. Mais au début, on avait un petit côté contrôle fric où, comme on était en recherche de notre son, on avait besoin de se planter, de réessayer. Il y a des chansons qui ont eu 15 versions. Ouais, on a eu 15 versions quasiment pour chaque chanson. Donc c'est vrai que ça... Forcément, ça fait traîner un petit peu le processus et en même temps, ça a été hyper enrichissant pour nous de passer par ces étapes-là, quoi. Mais pour répondre à ta question, du coup, il s'est passé quasiment un an juste d'arrangement pour trouver ce son-là. Vous pensez être arrivé au son que vous voulez donner à Oniri ou est-ce que vous allez encore chercher, est-ce que vous allez encore rentrer en laboratoire pour trouver le petit truc? Alors, mais comme je vous connais, je sais. Tu connais la réponse, oui, effectivement. Alors, on s'est dit, à un moment donné, on voyait, tiens, ça fait 10 mois qu'on est en train de faire les arrangements. Et donc on s'est regardé, on a dit bon, on va le sortir. Non, il fallait que ça sorte. Ça peut exister maintenant, ça y est, et on va partir de ça pour continuer les recherches après. Mais c'était la première pierre pour définir, ok, ça c'est du Oniri, on rougira pas plus tard. Oui, c'est surtout ça en fait. C'est qu'à un moment, je pense qu'il faut arrêter, parce que je pense qu'on y sera encore avec notre 30e version de chaque morceau. Ouais. Et on s'est dit, ça suffit, et il faut que ça vive, il faut que ça sorte, il faut qu'on passe à autre chose aussi. Qu'on puisse continuer à composer, à repartir aussi avec cette nouvelle base, parce que ça a été un laboratoire, tu l'as dit. Du coup, on a cherché des sons, on a trouvé des choses qui nous plaisaient, et je pense que ça a amené aussi une grosse envie de composer dans ce sens. Bah, les nouvelles chansons partent sur cette base-là. Ouais, c'est ça. Elles partent pas sur l'ancienne base de ce qu'était Oniri avant, donc du coup, elles ne peuvent que encore plus avancer. S'enrichir. C'est ça. Enfin, après, voilà. Parce que c'est présent dès la composition. C'est pas de l'ordre de l'arrangement qui crée ce son-là, c'est la base maintenant à cet univers-là. Il y a je trouvais ça intéressant, donc la base. La base. Alors, on a parlé de la partie son, l'album, l'EP. Là, il y a la partie image d'Oniri aussi, qui est très importante. Vous avez sorti un court-métrage qui était vraiment très intéressant. Vous l'avez sorti en plusieurs fois. Il y avait d'abord une chanson, si je ne me trompe pas. C'est ça. On a sorti donc la première chanson, donc, qui est Céréléane, qui est une chanson qu'on a sortie en juillet. Enfin, le clip est sorti en juillet. C'est ça. On voulait ça comme un teaser. Ouais. D'un court-métrage musical qu'on a sorti après en septembre. Tout à fait. Réalisé par qui le court-métrage? Alors, par des amis à nous, c'est Siam Gouy et Jérôme Denis, qui sont en fait des réalisateurs qui en sont un peu au même stade que nous, c'est-à-dire, bon bah ok les gars, on a envie de faire des trucs, donc voilà, en attendant une reconnaissance internationale et éternelle, on a allié nos forces pour faire ce truc-là, et du coup c'était un travail à quatre mains qui était assez agréable, qui s'est fait de façon assez fluide. Et puis naturel, on est parti en plus dans ce voyage donc à quatre, d'une façon un peu roots, on peut le dire. Et du coup c'était super, tant le voyage en lui-même et l'expérience humaine, etc. Parce qu'on était dans un camping-car à 4. Oui, c'est ça, pour recadrer, camping-car, pendant 9 jours, pas de douche, caméra, trépied, et puis voilà, des scènes à tourner. Ouais, voilà, c'était assez rustique, mais c'était génial. Ouais, quelle aventure. Ouais, et un résultat qui est quand même assez flatteur. Eh bien, on te remercie. Et non, et je le pense sincèrement, flatteur et très... je trouve très abouti, wow. Et qui s'inscrit, je trouve, vraiment dans l'univers, se rajoute à la brique musicale. Bah, depuis le début du groupe, on a toujours accordé beaucoup d'importance à l'image, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une énorme transversalité entre le son et l'image, c'est un couple bien trop parfait pour être ignoré. C'est beau ça. Je suis crevé. et donc du coup, oui, dès qu'on a commencé à trouver ce son-là, sont venus naturellement des débuts d'ambiance, d'atmosphère qui nous plaisaient. L'Islande a un peu sonné comme une évidence. Ouais, l'Islande, je crois que c'est l'endroit parfait pour illustrer notre univers et notre musique. Et puis il y a quelque chose qui fonctionne, je trouve, très bien, c'est toutes les couleurs en fait qui collent parfaitement à votre musique. Mais c'est drôle parce que c'est vrai que même avant de partir, on avait quand même une palette, une espèce de palette colorimétrique, oui, un peintre, exactement. Professionnel. Avec des couleurs quand même très pastel, très passées comme ça, avec cette histoire de voile un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a voile sur les. Un monsieur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Ryan McGinley. Ouais, et qui est personnellement un de mes photographes préférés. Voilà, on aime son travail et il s'avère que tu vas en Islande, tu retrouves à peu près les mêmes couleurs, les mêmes choses et tout ça, donc ça nous a parlé immédiatement, quoi. EP, clip, court-métrage, c'est quoi la suite? Là, tout de suite, on prépare la sortie du deuxième clip, donc qui est Little Forest, qui sera le dernier support vidéo de ce premier EP. Ouais. Et après, on passe donc au deuxième objet. Je te laisse un petit peu.
Et on sort un deuxième EP, ouais. Parce qu'en fait, on a parlé de ce premier EP comme ça, un petit peu, comme si c'était un objet seul et unique, ce qui est le cas. Mais non, en fait, on a fait le choix de sortir en fait un album en deux temps, un diptyque. Donc ça, c'était le premier volet. Donc il y a un premier volet qui est sorti en octobre et le second qui devrait sortir au mois de mars. Si on est dans les temps, ce sera au mois de mars. Parce que vu qu'on a pris un an pour faire le premier, on s'est dit oui, bon, bah, allez. mais bon, on commence déjà à avoir nos nouvelles chansons. La direction nous plaît bien, donc on va rapidement enregistrer. Et puis il va falloir commencer à penser à l'imagerie, on va dire, du deuxième objet pour pouvoir assez vite avoir aussi un premier objet à sortir pour commencer un petit peu à teaser notre monde Si on se faisait un petit morceau, enfin vous, parce que moi personnellement la musique c'est pas vraiment mon truc. Tu peux nous accompagner, hein. Je peux vous accompagner effectivement avec mon tambour avec dans le dos. Qu'est-ce que vous pourriez nous interpréter? Qu'est-ce qu'on fait? On pensait, c'est peut-être faire Lesson Learned, qui est la troisième chanson du premier EP. Troisième track, ouais. Et qui est la seule des chansons qui est pas illustrée par une vidéo. Voilà, donc c'est l'occasion. Voilà, mais... c'est l'occasion. Oh, mais tiens. Oh, mais quel hasard. C'est pas incroyable. C'est incroyable. Listen, learn.